comme à chaque année, là, s'il y a une chose dont je suis fier, une chose dont je revendique la paternité prétentieusement, c'est la gang. Je pense que le premier rôle d'un metteur en scène, c'est de former une équipe. Et tous ces artistes-là, je les ai cherchés, choisis un par un, non pas basés sur des gens que je connais, puis c'est correct de le faire aussi, de prendre des gens qu'on connaît pour faire des spectacles. Mais le défi que je me suis donné depuis 2 ans, c'est vraiment de remettre en question mes certitudes quand, ce rôle-là, c'est pour telle personne. Oui, super, ben, que telle personne vienne en audition. Et ça va confronter mes propres choix, mes propres certitudes. Alors, ces gens-là, j'en connaissais presque aucun. Presque aucun. J'ai vu 900 personnes en audition. J'en ai reçu 900 candidatures, 900 et quelques, à part des danseurs, où il y en avait 100 et quelques aussi. J'ai passé en audition 500 ou 600 personnes de ces 900-là, 15 minutes, 20 minutes chacun, et j'en ai tiré ces 30 personnes-là. Alors, je peux répondre de mon sang de chacun d'entre eux. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais chose certaine, j'assume chacun de ces choix-là. En fin de compte, je vais faire 50 ans cette année, et je leur disais ça tout à l'heure en coulisses, justement. Et je leur disais, chaque fois que je vous vois, je me sens de plus en plus vieux, parce qu'ils sont d'une juvénilité, d'une effervescence, d'un rayonnement, parce que ça prend ça. Ça prend ça dans Footloose. Il faut voir ces jeunes-là vouloir émerger de l'obscurantisme qui a été établi dans ce village-là, et ils veulent en ressortir, et on a besoin de voir cette luminosité émaner d'eux, sinon ça ne fonctionne pas, et ils l'ont.